Good morning, Alayit and Netusro. Aujourd'hui, elle est le Nishmat, Fortuné Mazal, Bat Louisia. Amram Yona Ben Khana, Peggy Bat Esther, Zarbat Mazal Tov, Shishporti, Simon Matloni, Mechal Novikov, aussi de Fouat, Norbert Avraham, Ben Fortuné Mazal, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot, Perikimel, Mishnah Gimel. Aochel Bikurim, Ad Shelo Kara, Alehel. Kodshe Gadashim, Chutz le Klaim. Gadashim Kalim, Omaser, Sheni, Chutz le Choma. השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40, אבל מותיר בטהור, והשובר בטמא אינו לוקה 40. On continue notre Mishnah à énumérer les différents interdits de la Torah pour lesquels on est passible de malkout, de flagellation, d'être frappé par le Bet Din, des 39 coups, avec à présent Aochel Bikurim al Shelo Kara Alehen, celui qui mange des Bikurim, des prémices, tant qu'il n'a pas encore lu. De quoi parle-t-on la Mitzvah de Bikurim? C'est simple, la Mishnah enseigne dans Masechet Bikurim, c'est une Masechet dans le Seder Zraim, qui raconte qu'un homme descend, il y aurait d'Adam le Tor Sado, un homme va dans son champ et voit là-bas qu'il y a eu son figuier, son dattier, son palmier plutôt, qui a commencé à faire sortir des fruits, alors il doit là-bas marquer le fruit et dire que ce fruit-là, ce sera lui le bikurim. Une fois que les fruits poussent, il prend ses prémices, il les monte à Yerushalayim, il les amène à Yerushalayim et doit ensuite entrer avec au Bet HaMikdash. Il organise un beau plateau avec plein de fruits, avec des petits oiseaux qui étaient des olataof, des ola qu'il apportait en korban. Et là-bas, une fois qu'il arrivait, il entrait dans la Hazara avec ce beau plateau majestueux. Il entrait dans la Hazara, il devait ensuite faire descendre le plateau, l'amener devant le Mizbeach, faire ce qu'on appelle la Gacha, le poser devant le Mizbeach, et ensuite reprendre le plateau dans les mains avec le Kohen, et le balancer dans les directions, et dire un texte, le fameux texte de Arami Ovedavi, qui est d'ailleurs le psukim de la Gada, mais là on ne va pas rallonger sur la question. D'accord, les psukim qu'on remporte, Arami Ovedavi, Vayered Mizraima, Vayegorsham Bibte Me'at, c'est le psukim qu'on reprend dans la Haggadah de Pessah et qu'on explique longuement chacun des mots. Ce texte-là, c'est ce qu'on appelle le Mikra Bikurim. La Mishnah nous enseigne que celui qui mange les Bikurim alors qu'il n'a pas encore lu le texte de Arami Ovedavi au Bet HaMikdash sera passible de Malkout. Deux précisions qui seront rapportées dans le Bar Tanoura. On ne parle que des Bikurim une fois qu'ils sont entrés dans Yerushalayim. Par contre, celui qui a prélevé les Bikurim et qui les mange chez lui, tant qu'il ne les a pas encore amenés à Yerushalayim, alors il n'est pas Khayav Malkout. On apprend ça d'un Pasouk, comme on le rapportera ensuite pour le Maaser Sheni. On le réexpliquera mieux là-bas, puisque c'est le Pasouk qui est rapporté sur ça, mais c'est le même principe. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, tant qu'il n'a pas lu les Bikurim, parce qu'une fois qu'il n'a pas lu le Arami Ovedavi, le texte qu'on appelle le Mikra Bikurim, parce qu'une fois qu'il a lu ce texte, alors les Bikurim deviennent ensuite la propriété des Kohanim uniquement, il n'y a plus de Chiyuv Malkout dessus. D'accord? Autre point important, c'est que le Sad Mishnah va d'après Rabbi Akiva, tout ça sera porté dans le Bar Tanoura, d'accord? Cette Mishnah va selon Rabbi Akiva, par contre selon Chachamim, on ne sera plus frappé, on ne recevra plus les Malkout, à partir du moment où on aura posé les Bikurim, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Gacha, qu'on les a posés devant le Mizbeach, c'est pas la peine de lire le Mikra Bikurim pour être dispensé dès lors du Malkout. Deuxième séquence, Kodshe Kadashim Chutz Leklaim, Kadashim Kalimu Maaser Sheni Chutz Lachoma. C'est le même principe. Les Kodshe Kadashim, il y a plusieurs niveaux de Korbanot. Il y a les Kodshe Kadashim qu'on doit nécessairement, que seuls les Kohanim vont les consommer à l'intérieur de la Hazara, dans l'enceinte du Bet HaMikdash. Interdit de les sortir de Chutz Leklaim, en dehors des Klaim. On appelle les Klaim, c'est la Chomat HaHazara, la muraille de la Hazara. D'accord? Et il y a aussi les Kodashim Kalim, un Kal plus léger, des sacrifices qui ont un niveau de Gdusha moins fort, que l'on peut sortir de la Hazara pour manger à l'intérieur de tout Yerushalayim. Ce sera notamment les Shlamim, le Korban Toda, qu'on pourra manger dans tout Yerushalayim. Et celui qui mange, donc pour chacun des korbanot, que ce soit des kodesh kodashim, ceux qui sont très saints, ou ceux qui sont juste saints, plus, moins, c'est-à-dire kodashim kalim,
Alors chacun, il a sa limite, son enceinte dans laquelle il doit être consommé. Si on les fait sortir en dehors de leur enceinte, alors on sera chayav de malkout. D'accord ? Idem aussi pour le maaser sheni. Maaser sheni, on avait dit, lorsque l'on a la récolte, on prélève d'abord la trouma pour le Kohen. Ensuite, on prélève le maaser rishon pour le Lévi. Ensuite, on prélève une deuxième fois un maaser, un dixième, donc le deuxième dixième. Ça fait l'équivalent de presque un vingtième. Ouais, le dixième de ce qui restait. Et ce maaser-là, dans les années... Ce maaser-là, il faut de temps en temps l'apporter. Il faut en général l'apporter à Yerushalayim, ce qu'on appelle le maaser sheni. D'accord ? Il faut l'amener à Yerushalayim et le consommer à Yerushalayim soi-même. On n'est pas obligé de le donner à personne d'autre. On peut inviter les pauvres à manger avec nous, comme ça s'explique dans la Torah. Mais en tout cas, c'est notre bien. Et dès qu'on l'apporte à Yerushalayim, alors on n'a plus le droit de le ressortir. Et si on le ressort, ça c'est une histoire de Rabbanan. Et si on le ressort, si on le sort de Yerushalayim et qu'on le mange en dehors de Yerushalayim, alors on sera chayav malkout. Par contre, si on le mange en dehors de Yerushalayim avant que le maaser sheni soit arrivé à Yerushalayim, on n'est pas chayav malkout. Tout ça, c'est déduit d'un même pasouk, comme pour les bikurim qu'on évoquait avant. Il y a marqué d'abord la Torah dans Dvarim, je ne sais plus où, je pense dans Kitetse, Dvarim Yudbet. C'est Shoftim encore, je sais pas, quelque chose comme ça. Ou là-bas, la Torah explicite que lorsque vous arriverez en Israël, vous désignerez le lieu où on désignera le lieu où on fera le Beth Amikdash. Et là-bas, vous apporterez vos korbanot, l'ifne Hashem Elokecha tochalenu, vous apporterez, et la Torah énumère toutes sortes de dons que l'on va apporter ensuite à Yerushalayim. Notamment le tour Matiadecha, Nedarecha, Nidvotecha. La Torah explicite plusieurs noms, que chacun a une signification, qui seront en l'occurrence le Maaser Sheni, qui seront les Bikurim, comme on le rapprendra dans le Bartel Noir pour les Bikurim, le tour Matiadecha. Et la Torah explicite, et vous irez, l'ifne Hashem Elokecha tochalenu, devant Hashem, vous irez les manger, soit devant Hashem, au Beth Amikdash, enfin, dans la ville du Beth Amikdash. Et la Torah continue ensuite à nous dire, tu ne pourras pas le manger dans tes portes, soit dans tes villes, tu ne pourras pas le manger dans tes villes. Puisque la Torah a donné l'interdit de le manger dans tes villes après avoir explicité le devoir de le manger à Jérusalem, on déduit de là que on ne transgresse, on est chayav malkout, de la flagellation. On est chayav que si on le consomme après qu'il soit rentré une première fois à Jérusalem et qu'on l'a ressorti. À présent, on continue, on change de sujet, et on va parler du Korban Pessah. Inyané de Yoma. Ashover ataetsem be Pessah hataor, areze loke arbaim. Celui qui casse un os du Korban Pessah qui a été fait betahara, areze loke arbaim, il sera frappé 40 coups. Par contre, aval hamotir bataor, celui qui laisse de la chair du Korban Pessah jusqu'au lendemain matin. On va tout expliquer, bien sûr, d'abord je traduis. Va chover betame. Et celui qui va casser des os du korban pessar qui a été apporté betum'a. Eno loke arbaim. Il ne sera plus condamné à malkout, à recevoir les 40 coups de la flagellation du bet din. Soit, korban pessar, il fallait l'apporter à Yerushalayim. On l'égorgeait le 14 Nissan dans l'après-midi avant la fête de Pessah, le 15 au soir, on s'installait tous en famille, on le faisait griller et on racontait la Haggadah, et ensuite on mangeait le Korban Pessah. Plusieurs halakhot sur ce Korban, deux qui sont évoqués dans notre Mishnah, l'interdit de casser un os du Korban Pessah, il fallait le laisser intègre. Il y a plusieurs raisons, notamment, essentiellement, puisque c'était l'idole des Égyptiens, Hacham il était Makpid, de prendre leur idole et de la laisser telle qu'elle, de ne pas la casser, qu'on voyait bien que c'est un agneau et que nous, on a confiance en Hachem, on n'a pas confiance dans la Avodah Zarah, on ne croit pas du tout en la Avodah Zarah, et on ose même, au moment le plus propice du Mazal Bélier, d'aller, on va prendre un Korban Pessah et on va le brûler, on va le laisser intègre, et c'est ici ce qu'on avait appelé dans les 5 minutes une fois, le crime astrologique. Il y a 2 ans, si vous cherchez sur Internet, dans le site 5 minutes éternelles, le Pessah, il y a 3 ans à peu près, on avait expliqué ça longuement, le symbole
pourquoi il ne fallait pas casser des os. En tout cas, la Torah a insisté qu'on ne casse aucun os du Corban Pessah, qu'on le laisse tel quel et qu'on prend que la chair en laissant l'os, les os sans les casser. D'accord ? Il y a un interdit. Ça, c'est uniquement lorsqu'on fait le Corban Betahara. C'est pour ça qu'on a insisté pour dire à Shover Ataitsem Bepesach Hataor. Le Pessah qui était fait Betahara. Par contre, si on casse à Shover Betame, ouais, par opposition, dans la Seifa, dans la fin de la Mishnah, à Shover Betame, celui qui casse un os dans un Corban qui était fait Betuma. C'est quoi faire un Corban qui était fait Betuma? C'est deux possibilités. Bepesach Tame. C'est que, l'option la plus simple, c'est que Touma Outra Betzibour. Si toutefois Mashiach il arrive, Bezrat Hashem, aujourd'hui, demain, et donc même dimanche, et même lundi, et qu'on va ensuite, on aura donc le Beth Amikdash va redescendre du ciel, le troisième Beth Amikdash, et on va tous vouloir aller apporter le Korban Pessah. On va se retrouver en problème, c'est qu'on est tous Tmeim, on est impurs. Est-ce qu'on pourra faire le Korban Pessah malgré tout? Oui. Il y a une halakha spéciale pour le Korban Pessah, pour tous les Korban Otzibur en réalité. C'est vaste, c'est un sujet, d'accord? Mais en tout cas, que l'on peut apporter le Korban Betum 1. Même si on est tous tamés, on peut quand même apporter le Korban Pessah. Il y aura des restrictions, il y aura des halakhot bien particulières dans ce cas-là, mais les Korbanot des Chagim, des fêtes, en général, on peut les apporter même si on est tout le peuple tamé. La majorité du peuple tamé, on pourra apporter le Korban Betuma. Si on est juste la minorité du peuple qui est tamé, alors les purs apporteront le Korban Pessah en temps et en heure, et les impurs, ils auront le Pessah Sheni. Mais si on est la majorité du peuple Tmeim, on pourra faire le Korban Pessah alors que l'on est tamé. Pour ce Korban Pessah spécifiquement, si on casse un os, on ne sera plus passible de Malkout. C'est ce que la Mishnah nous enseigne, Shover Betame et Noloke Arbaim. D'accord? Il y a un mute. La Torah exclut le cas en nous disant Ve'etzem Lotish Berubo. Vous ne casserez pas en lui un os. Pourquoi t'as insisté en me disant en lui qui a été fait Betahara, comme le Bartenois va nous le dire. Un autre point encore, c'est un motir Betahor. Il y a une halakha qu'il fallait finir toute la chair du Korban Pessah durant toute la nuit, avec une chumra ensuite, de le finir avant Chatzot. C'est pour ça qu'on est makpid de manger la fikoman avant Chatzot, zecher le Korban Pessah. Par contre, selon la Torah, en tout cas, on pouvait le laisser jusqu'au petit matin, mais au petit matin, il fallait qu'il n'y ait plus de viande. Et s'il restait de la viande, on transgressait l'interdit de l'autre. Il fallait donc la griller vite. S'il en restait, il y en avait trop, soit tout manger, soit griller. Et la Mishnah, la Torah nous a donné un lave explicite en nous disant « Velo tiro mimenu ad boker » Vous ne laisserez pas de sa chair jusqu'au matin. Donc il y a un lave, en théorie. Celui qui va laisser le Korban Pessah jusqu'au petit matin, il va transgresser un interdit. La Mishnah enseigne qu'il n'est malgré tout pas frappé. Pourquoi ? Deux raisons évoquées dans la Gemara, le Bartenois en reportera une. Premièrement, parce qu'on transgresse de manière passive, on ne fait pas une action. Ouais, on fait rien du tout, on garde les mains dans les poches, et le petit matin se lève, et on transgresse l'interdit d'avoir laissé de la chair. Puisque ça manque une action, ça c'est une explication, on ne sera pas apporté dans le Bartenois. L'explication qui sera apportée dans le Bartenois, c'est parce que c'est une grande règle, ce qu'on appelle « lave anitak leasé ». Dans plusieurs endroits, vous verrez dans la Torah, ça arrive, que la Torah donne un interdit, et après nous dit, et si tu as transgressé l'interdit, tu feras ça et ça pour réparer ton interdit. Donc puisque la Torah m'a donné une réparation à l'interdit que j'ai transgressé, alors on n'est plus frappé sur ce lave, d'accord? Et en l'occurrence, donc, vous ne laisserez pas de la chair du Korban Pessah jusqu'au matin, et s'il restera de la chair au petit matin, vous la brûlerez. Donc, la Torah m'a explicité la réparation de l'interdit, je ne suis plus frappé sur si j'ai transgressé cet interdit. Enfin, à présent, le Bartenora, Ad Shalokara Aleyem, on s'apporte sur le Bikurim, tant qu'il n'a pas lu la mitzvah du Mikra Bikurim. Arami Oved Avi, le texte de Arami Oved Avi, l'Avana Arami, qui a voulu faire tuer mon ancêtre, Yaakov Avinu. Avalachar Shekara Aleyem, Enoloke, Im Achalan, Lefi, Shehen, Mamuna Shalkoen. Par contre, si il mange de ces bikurim après avoir lu, il ne sera plus frappé parce que désormais, c'est devenu la propriété des Kohanim uniquement, il n'y a plus de Gdusha. Il y a une certaine Gdusha, mais en tout cas, il n'y a plus la même Gdusha, on va dire comme ça. Vezo dimra Rabbi Akiva, ça c'est la vie de Rabbi Akiva. Vel chachamim omrim bikurim hanacha me'akevet ben, kriya en me'akevet ben. Par contre, chachamim pense que les bikurim, on s'acquitte de cette grave mitzvah,
on réussit à faire changer le statut des bikurim depuis le moment où on est maniach otam. Parce que la hanacha posée devant le misbeach, ce qu'on avait appelé la gacha, ça s'appelle la hanacha dans la Torah, veinarto lifna makom. Alors, hanacha me'akevet ben. Le fait de poser, c'est me'akev, ça empêche, ça veut dire qu'on n'a pas encore accompli la mitzvah. Par contre, kriya en me'akevet ben. Le fait de lire n'empêche pas d'avoir accompli malgré tout la mitzvah. On n'a pas fait la mitzvah bechle muta parfaitement, mais on aura quand même accompli la mitzvah. De ce fait, celui, d'après Chaim, qui mangerait ses bikurim après les avoir posés, même s'il n'a pas encore lu, ne transgressera plus l'interdit de mais il ne sera plus passible de malkout. Le lave explicite dans la Torah, c'est écrit où le tocha l'echol bisharecha. Maasar de ganecha, vetiroshcha, vitzarecha, vechole, venedarecha, nitvotecha, utrumat yadecha. Là-bas, il y a marqué dans le dans Dvarim, Yudbet, Perek Yudbet de Dvarim. Et là-bas, le lave que je vous ai rapporté tout à l'heure, que je vous ai dit, qui est explicite, vous ne mangerez plus chez vous, quand vous arriverez en Israël, vous ne mangerez plus chez vous différentes choses qui étaient le maasar de ganecha, le maaser, votre dîme. D'accord. Et là-bas, il y a marqué utrumat yadecha. Et le prélèvement de la truma. De quelle truma tu parles? La trouba qu'on donne au Kohanim, c'est pas possible. Va mar. Et mar a expliqué, c'est Rabat. Utrumat yadecha, quand il y a marqué utrumat yadecha, elo abikurim. On parle ici des bikurim. Pourquoi? Dès l'utrumat, si on parle d'une trouma classique, alors il n'y a aucune nécessité de la porter à Yerushalayim. On la donne au Kohen, au voisin Kohen, on la donne et il la mange dès ce soir, même s'il veut. Il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à les amener à Yerushalayim. Arrêtez l'utrouma, enatouna avatmakom. Une trouma classique n'a pas besoin de la porter à Yerushalayim. Ou bikurim nami enoloke aleen, ela ima aarchav. Au sujet, bikurim nami elo enoloke aleen, ela ima chalan achar sheraou pne Yerushalayim. Pour les bikurim, c'est ce qu'on avait dit à l'oral tout à l'heure, on est passible de malkout que si on les a déjà apportés à Yerushalayim et qu'on les a ressortis ensuite. Ela achar sheraou pne Yerushalayim, kodem anachatan ba'azara. Avant de les avoir posés dans l'azara. S'il les a mangés dans sa ville avant de les amener à Yerushalayim, il ne sera plus frappé, comme ce sera explicité dans le prochain, dans deux Dibor Matril du Barthénoa au Maser Sheni, comme on verra tout de suite. Celui qui mange les korbanot en dehors de leurs limites respectives pour les Kodesh Kodeshim à l'extérieur des Klaim, Chomata Azara. Tout cela sont explicités dans le verset de Lotucha lechol bisharecha. La Torah avertit donc dans Lotucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, dans tes villes. Vekol nedarecha asher tidor, shekol achilachutz lamakom akavu ala mikre achilat shearecha. Tous les nedarim, les vœux que tu vas faire, asher tidor, que tu vas donc exprimer. Chez kol achila chutz lemakom, de là je déduis que kol achila chutz lemakom akavuala, tout ce qu'on va manger à l'extérieur de l'endroit où je devais le manger, mikre achilat sharecha. Ça s'appellera une achilat sharecha, une que tu le manges dans ta ville. Pour inclure aussi même le kodesh kodeshim que tu vas manger à Yerushalayim, c'est plus ta ville, malgré tout tu transgresses l'interdit. Pourquoi? Parce que dès que c'est plus bamakom chez loz et bamakom chez lcha, dès que c'est plus à l'endroit du korban, ce sera, on considérera que ça s'appelle dans ton endroit. D'accord? Ou maaser sheni. L'histoire du maaser sheni, de manger le deuxième maaser, donc, qu'on doit apporter à Yerushalayim, on le mange, le el tnan maaser sheni tamé shalon yivdek et teparshinon. Maintenant, il met en corrélation avec une des mishnayot précédentes, où il y avait là-bas écrit déjà le maaser sheni, qu'on parle qui était impur, shalon yivdek, qu'on n'a pas racheté, ve'achatnan maaser sheni taor shachalo chutz lachoma. Et maintenant, on enseigne une deuxième fois le maaser sheni pour t'apprendre qu'on parle même du pur qu'elle a mangé à l'extérieur de la choma. De la muraille de Jérusalem. On parle que du cas où il les a mangés à l'extérieur de la muraille après Sheraou Pnei Yerushalayim, après qu'ils aient vu la face de Yerushalayim, soit après qu'ils soient rentrés dans Yerushalayim. Aval ha'ochel maaser sheni bagvulim kodem shikanes Yerushalayim enoloke. Par contre, celui qui va manger du maaser sheni dans le pays bagvulim, dans vos villes, oul. Kodem, avant qu'il entre à Yerushalayim, il ne sera plus frappé. Pourquoi donc on apprend tout ça? Dirtiv, l'ifnash, amlokecha tochal leenu, vachakach lotochal lechol bisharecha. Il y a marqué dans le pasuk, tu le mangeras devant Hachem, et tu ne pourras pas le manger dans tes remparts. Donc, après que j'ai été imposé de le manger, parce que je suis l'amené à Yerushalayim, seulement là débute l'interdit de le manger à l'extérieur, débute l'interdit
Ouais, de le manger à l'extérieur du Rochanim. Hamotir betahor. On parle à présent du corban Pessah, qu'il laisse jusqu'au petit matin, qu'il n'est pas frappé sur ça. Et non, ok, il ne sera pas frappé. Dirtiv lotatiru mimeno ad boker. Comme le verset nous dit, vous ne laisserez pas de sa chair jusqu'au petit matin. Vanotar mimeno ad boker, baish tisrofu. Et s'il en reste au petit matin, vous le brûlerez au feu. Ba katuv liten ase achar lota ase. Lomar imavarta al lav, kayem ase sheba, ve eno loke. Le verset est venu me donner une mitzvah assez, une mitzvah positive à accomplir après que j'ai transgressé le lav, l'interdit, pour me dire, si t'as transgressé, eh ben fais ce que je t'ai dit pour réparer ton erreur, donc tu n'es plus frappé. Ve'od, ah, c'est aussi possible de voir le maintenant, j'ai pas fait attention. Ve'od l'autotirum, et deuxième raison, on les avait dit à l'oral les deux raisons, l'autotirum, tu vous ne laisserez pas de chair jusqu'au petit matin, avec lave chaîne bomassé. C'est un lave dans lequel il n'y a pas d'action. On ne transgresse passivement. On reste les mains dans les poches et le jour se lève, on transgresse un interdit. On n'est pas parti manger quelque chose d'interdit. On n'est pas parti faire quelque chose d'interdit. On a passivement, on s'apprend si ils sont transgressés. C'est ce qu'on appelle la lave chaîne bomassé. Un lave qui n'a pas de. Que l'on transgresse sans faire d'action. Mais quand lave chaîne bomassé, n'est aucun lave. Toute transgression qui n'a pas d'action, alors on n'est pas frappé dessus. Ve'ashover etzem pesach tamé enon loke. Celui qui va casser un os du corban pesach qu'on a été makriv, qu'on a apporté alors que qu'on a apporté betouma, alors qu'on avait, on était en situation où touma outra betzibur, on avait permis de l'apporter betouma avec dans l'impureté. Alors on sera plus frappé. D'amar achamana kar la Torah a dit ve'etzem lo tishberu vo bekasher velo bebasul. Le pasuk qui nous vient m'expliciter l'interdit de casser un os, il me dit Ve'etzem lo tishberu bo, vous ne casserez pas en lui un os. Ah, bekasher velo bepasoul, dans celui qui est kasher, mais pas celui qui a été fait bepasoul. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de hatzlacha kol tov.